如何写好一封法语邮件呢？今天露娜想和大家分享一些写法语邮件时超实用的句型。首先，刚开始如果想向对方表达写邮件的目的，我们可以用这些句型 Je vous écris pour 或者 Je vous écris afin de 我给您写信是为了比如 Je vous écris pour une documentation détaillée de vos produits 或者 Je vous écris afin d'une documentation détaillée de vos produits我们还可以用 Je vous écris au sujet de 或者 Je vous écris à propos de 再或者 Je vous écris concernant 所以 au sujet de à propos de concernant 都可以表达关于的意思用来引出邮件的主题比如 Je vous écris au sujet de 或者 à propos de concernant l'annulation d'une commande 我们还可以用一些更委婉的表达比如 Je me permets de vous écrire pour 这个句型 Je me permets de faire quelque chose 表示就是冒昧做某事我冒昧给你写信为了什么什么所以我们也可以说 Je me permets de vous écrire pour l'annulation d'une commande 如果是要回复对方之前的邮件我们可以用 à la suite de 或者 suite à 这两个表达比如 à la suite de votre courrier du 12 janvier 2022 nous vous passons la commande suivante 当然你也可以把 à la suite de 改成 suite à回复对方我们还可以用 accuser réception de quelque chose 这个短语表示收悉比如 nous accusons réception de votre lettre du 12 janvier 2022 接着在邮件中如果我们想通知对方某事如果是好的消息我们可以用 j'ai le plaisir de vous informer que 或者 j'ai le plaisir de vous annoncer que 这个表达如果你代表公司就用 nous 做主语 nous avons le plaisir de vous informer que 比如 nous avons le plaisir de vous annoncer que votre candidature a été acceptée如果是不好的消息我们就可以用 J'ai le regret de vous informer que 或者 J'ai le regret de vous annoncer que 比如 J'ai le regret de vous informer que nous avons choisi un autre fournisseur pour ce produit 我们还可以说 Je me permets de vous informer que 冒昧通知您或者我们也可以直接说 Je vous informe que 比如 Je vous informe que nous ne pouvons pas respecter le délai 如果在邮件中想要要求对方做某事我们可以用Veuillez 这样的命令式我们还可以用 merci de faire quelque chose 表示请做某事比如 merci de nous envoyer la documentation de votre produit 我们还可以用 je vous prie de bien vouloir faire quelque chose 表示我们很希望您可以怎么怎么样比如 je vous prie de bien vouloir nous fournir un performer pour cette commande 当然我们也可以更直接一些用 je vous demande de faire quelque chose 我要求你做某事比如 je vous demande de nous fournir une proformar pour la commande 如果在邮件中要加上附件我们可以说 veuillez trouver 6 juin 加上你附上的文件我们还可以用 veuillez trouver en pièce joint quelque chose 表示的也是请在附件查收某文件比如 veuillez trouver en pièce joint la facture de votre commande voilà 今天分享的句型都是在写法语邮件中最最基础的内容最后如果你正在或者打算从事和法语相关的工作或者商务活动，我推荐你可以看我的 Lola 商务法语课程，在上面我会分享在职场、在商务谈判、商务交流中会经常用上的干货法语内容，大家可以点击置顶评论的链接来了解更多。最后呢，不要忘了点赞和关注我的频道，我们很快下期视频见 ，Ciao。